après une série de 4 défaites consécutives et une inquiétante 16e place, à un point du barragiste, Grenoble n'est pas au mieux. Les dirigeants du club se sont séparés de l'entraîneur Mauricio Iacobacci. Pendant la trêve, c'est Vincent Ognon qui lui succède. Vincent Ognon qui touché par le Covid et qui n'est pas sur le banc ce soir pour affronter l'AJ Auxerre de Jean-Marc Furlan. Les Auxerrois 4e se sont fait surprendre à domicile avant la trêve par le Havre, défaite 3-2, et vont tenter de se relancer au Stade des Alpes pour rester dans le top 5. Une frayeur pour Maubleu dans les premiers instants avec cette frappe de Dugimon. Petite faute de main qui aurait pu coûter cher pour les Grenoblois, mais qui sont en grande difficulté. Le manque de confiance est criant, la perte de balle. Et derrière, Mathias Autrette qui va pouvoir servir impeccablement Gaëtan Charbonnier, qui ne rate pas l'occasion de marquer son 12e but de la saison et surtout ouvrir le score à la demi-heure de jeu. 1-0 pour la JA, 12 buts pour Charbonnier, c'est un de moins que le meilleur buteur de Ligue 2 BKT, Rhys Haley. Le Toulousain manque de réussite pour Grenoble. On a vu que la frappe de Charbonnier était détournée. Charbonnier tout proche du doublé avec ce bel enchaînement à hauteur du point de pénalty. Mais la frappe de l'ancien attaquant brestois va passer à quelques centimètres du montant de Brice Maubleu, qui semble être sur la trajectoire. Grenoble qui ne s'est presque pas procuré de situation dans cette première mi-temps, qui voit donc Auxerre mener 1-0 à la pause. 2 buts marqués lors des 4 derniers matchs seulement pour les Grenoblois, qui vont subir encore en deuxième mi-temps. Et Brice Maubleu qui harangue sa défense, parce que si Grenoble venait à encaisser un deuxième but, ce serait quasiment mission impossible pour revenir. Et au contraire, ils vont avoir l'opportunité d'égaliser, mais le but de Yorick Ravet va être invalidé. L'assesseur de monsieur Le Paysan fait signe que le ballon au moment du centre était sorti, ce qui n'est peut-être pas évident comme cela à l'œil nu sur ce centre de Jordi Gaspard. Les Grenoblois déjà en difficulté n'ont pas les décisions arbitrales en leur faveur, la colère de Yorick Ravet et Auxerre qui n'est pas passé loin de l'égalisation grenobloise. Au match aller, la JA s'était largement imposée 3-0 avec des buts d'Autrette, Ahin et Saki. Dernière opportunité pour le GF 38 avec ce centre et l'intervention délicate de Donovan Léon. Mais on va rester là, 1-0 score final pour la JA qui occupe la 3e place avant d'aller à Ajaccio et de recevoir le Paris FC. Grenoble pour sa part est désormais barragiste avec ce 5e revers de rang. Yeah.